lâcher ton alcool de soirée, t'es... Bon les amis, ça fait des semaines qu'on en parle, et voilà, c'est ce soir. Le père de Raph nous a gentiment prêté son bar pour qu'on puisse trouver tous ensemble le thème du kino. Donc je pense que c'est à toi de nous lancer sur la première idée, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je pense qu'on pourrait parler de la manière dont les médias couvrent le mouvement des Gilets jaunes. Tout ce qu'on voit, c'est principalement du casse, des explosions, des flashbangs, de la violence. C'est un peu plus que ça, je pense. Et on entend beaucoup les gens crier, mais il faudrait les écouter un peu plus parler. Et on les entend pas beaucoup. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, je pense que quand on parle des Gilets jaunes, on est un peu trop axé sur la France. Et la France doit en fait tout son confort à des siècles et des siècles de colonialisme. Du coup, il faudrait peut-être un peu plus élargir la chose. Et moi, je vais être très clair. La seule solution, c'est la révolution. C'est la seule. Bonsoir. Est-ce que vous avez choisi? Moi, j'ai pas soif. Moi, je vais prendre un demi de déchet, s'il vous plaît. Très bien. De l'eau. Votre meilleure bière. Ok. Et un verre d'eau. Super, je reviens tout de suite. Et toi, Abdel, t'as une idée? Moi, je pense que c'est de plus en plus choquant que des personnes condamnées par la justice comme Éric Zemmour trouvent tant de micros et de plateaux pour répandre leur haine. Ces racistes font que la France n'est même plus une nation, donc moi je pense qu'il faut limiter la liberté d'expression pour limiter le racisme en fait. Donc t'aimerais le thème en fait qu'il aborde du racisme? Ouais. Non mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, on n'est pas là pour faire de l'incitation à la violence. C'est pas du tout ce que j'ai dit en fait. Vous êtes vraiment centré sur votre petit nombril de petits bourgeois de merde. C'est pas ça ton argument tout à fait. Ça c'est toujours, c'est toujours des excuses. C'est raciste. Mais on va faire des choses sans violence. Elle est universelle, la violence est partout. C'est juste que la violence, elle est monopolisée par l'État. Putain, mais les gars, mais calmez-vous là, mon père, on est viré du bar. Franchement, franchement, c'est n'importe quoi. Vous savez quoi, je me casse. Oh, non, mais non, mais j'en ai marre là. Arrêtez de parler pour rien dire là. Vous êtes en train de vous éparpiller. Sortez tous, allez prendre l'air, j'en ai marre, je veux plus vous entendre là. Virer comme des gamins quoi. Et écoute, donc vous comptez rester campé sur vos positions là? Bon bah les bières sont arrivées. Je crois que ces sujets sont peut-être un peu difficiles. Non mais en fait les sujets sont juste trop sensibles. Alors honnêtement, je vous entends parler depuis le début. Et en fait le problème c'est pas les sujets, mais plus vos égos trop surdimensionnés. En fait on est en démocratie, si chacun donnait son avis comme ça, par-ci par-là, on serait perdu, on irait directement vers le conflit. C'est 12,50€. Merci. Remise en question, elle t'a dit quelque chose, fais-le.